Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour Romain, bonjour Julien de la société Ubit. Vous aurez l'occasion de vous présenter dans quelques secondes. Donc, je suis Patrice Henrion, directeur général chez Boa Concept. On va se livrer aujourd'hui à un exercice quelque peu atypique dans les moyens. On va se passer un micro, atypique dans la période. Donc, on va respecter quelques distances physiques pour gérer cet exercice. L'idée étant, en 10 minutes, de vous rendre le plus explicite et la plus sexy possible une belle installation sur une très belle entreprise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Patrice, bonjour Julien. Donc vous êtes, on est ici à la Boule au But. Je suis Romain Souvigné, le directeur général de la société. On est dans une entreprise qui est une entreprise familiale depuis 1955. Nous sommes inscrits aux entreprises du patrimoine vivant et nous sommes fiers de dire que nous fabriquons des boules de pétanque 100% françaises. On est aujourd'hui à Saint-Bonnet-Château, dans la Loire. On est ravis également de dire que cette entreprise familiale à 80 collaborateurs et collaboratrices autour de nous existe depuis le début ici. Et on souhaite de tout cœur garder notre entreprise dans ces lieux et de continuer à la développer et d'avoir un dynamisme fort. Merci, merci Romain. Alors l'histoire Boa Concept, je vais dire quelques mots sur l'entreprise, même si on est davantage là pour parler de votre installation et de votre structure. Quelques mots pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui. Donc l'histoire Boa Concept est plus courte. On va fêter les 10 ans très prochainement de l'entreprise. Courte mais dense. Boa Concept, apporteur de solutions dans le monde de l'intralogistique, solution complète aujourd'hui, clé en main, basée sur l'ADN qui reste identique depuis la genèse de la boîte, à savoir la conception de modules de convoyage autonomes qui embarquent leur propre intelligence et qui vont permettre des installations rapides, modulaires sur les sites de nos clients. Donc une belle histoire, très heureux de reparticiper cette année. 6 ans après, notre première participation au roi de la supply chain avec l'entreprise Oscaro, que je salue au passage s'il nous revoit aujourd'hui. Et un projet extrêmement intéressant qui nous a permis, sur la société Ubit, de mettre en œuvre l'ensemble de nos savoir-faire. Julien, si tu veux nous dire quelques mots, Romain, pardon, si tu veux nous redire quelques mots sur le contexte de l'entreprise et ce qui nous a amené à travailler ensemble. Tout d'abord, le contexte de l'entreprise est un marché qui est principalement français et qui se développe un petit peu à l'export. Nous avons des vraies contraintes qu'on va vous expliquer dans les quelques minutes à suivre, mais l'entreprise a vraiment pour objectif de dynamiser l'innovation, la modernité, la robotique au sein de nos murs avec nos collaborateurs. Et c'est quelque chose qui est fort depuis le début de l'histoire ou le but. Mon grand-père était quelqu'un de très entreprenant et qui a toujours dit que lorsqu'on n'avait pas les outils pour, il fallait les concevoir et les réaliser. Et lorsque l'on investissait, il fallait investir pour être plutôt surdimensionné que sous-dimensionné. On se doit d'avoir un outil qui soit au top pour fournir tous nos clients, quels qu'ils soient. Voilà. Je vais passer la parole à Julien qui va vous expliquer un petit peu les détails de ce projet. Bonjour, Julien Lacour, ingénieur chez Ubit et responsable du projet de la transformation logistique. Le process historique de préparation de commandes au but consistait en une préparation de type man-to-goods. L'entrepôt était donc constitué de rayonnages sur lesquels trônaient les triplettes au but et autres articles de la gamme. Mais ce mode de stockage présentait certaines contraintes, notamment au regard de la rotation des stocks et de l'ergonomie d'emploi avec les 4000 références du catalogue. De plus, les 2 kilos passés d'une triplette au but représentent plusieurs tonnes de boules manipulées chaque jour par les préparateurs de commandes. Et l'entreprise au but, étant soucieuse des bonnes conditions de travail de ses salariés, a souhaité repenser globalement l'entrepôt logistique et ses pratiques aux côtés de la société Boa Concept. Le caractère atypique de la préparation de commandes au but réside dans le fait que les boules sont personnalisées et que quasiment toutes les commandes recensent des triplettes personnalisées. Cette opération, réalisée sur des produits finis issus du stock, peut durer plusieurs minutes et représente une rupture de flux, un goulot d'étranglement en fait au regard des process de préparation de commandes habituels. De plus, la diversité des
des canaux de distribution de l'entreprise a imposé une standardisation des pratiques pour imaginer une solution plus efficace. Merci, merci Julien. Donc effectivement, un contexte particulier, trois grandes lignes directrices et peut-être un maître mot sur le projet qui a été la co-construction d'une solution. Le terme est un peu galvaudé, mais pour ce qui est du contexte au but, c'est quelque chose qui a été vraiment le maître mot de la solution qu'on a déployée en plusieurs étapes, en plusieurs phases, en apprenant collectivement au fil de l'eau. Donc trois grandes lignes directrices, un bâtiment atypique, magnifique, historique, mais atypique, faîtage, IPN un peu dans tous les sens, clairement pas l'environnement rêvé pour construire une solution de densification de stockage type transstockeur. Deuxième point, Julien a insisté dessus, des produits lourds, une triplette, enfin, ceux qui sont tombés sur le pied savent combien ça pèse, une boule. Et le troisième point, clairement un challenge dans le monde de la logistique, une rupture de flux énorme suite à plus de 50% des produits personnalisés. Donc en fait, on a déployé sur cette installation, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas découvert la vidéo, je vous invite à la balayer, c'est très intéressant. On a déployé sur un environnement finalement pas très grand, vu qu'on est sur 1000 mètres carrés, hein, sur l'installation complète. On a un véritable concentré technologique que certains grands acteurs n'ont pas chez eux sur 100 000 mètres carrés d'entrepôt. On relie une zone de production et une zone de stockage avec des robots autonomes qui vont venir promener des bacs de triplettes, dont des bacs lourds, plusieurs bacs lourds à la fois avec des robots autonomes, qui vont venir charger de manière automatique un transstockeur complètement sur mesure, pas une solution catalogue, et donc adaptée au faîtage d'un entrepôt historique. Sur de la quadruple profondeur avec des bacs extrêmement lourds, justement pour gérer cette densité de stockage dans un bâtiment qui nous mettait sous contrainte. Adossé à un système de préparation avec des préparations à gare et des convoyeurs qui amènent donc la marchandise, un système goods-to-person, certes classique dans sa conception, mais encore une fois extrêmement dense dans la réalisation de l'entrepôt, dans la réalisation de l'installation sur l'entrepôt. Adossé à des systèmes de pick-to-light pour gérer des stocks tampons sur les machines de personnalisation, là aussi quelque chose de nouveau à avoir. Cohabiter avec des machines très industrielles dans le monde de la logistique, c'est finalement pas si fréquent que ça. Donc, s'adapter à des temps qui ne sont pas les mêmes d'une machine à l'autre. Le tout pour pouvoir regrouper de la préparation de commandes et amener ça sur un tri transporteur B2B, B2C, une fin de ligne assez classique. Mais encore une fois, le vrai challenge a été de concevoir cette chose-là de manière tout à fait sur mesure et dimensionnée pour des process d'une entreprise. Dimensionner le côté mécanique a été un challenge. Dimensionner le côté système d'information, c'est aussi une des grandes forces de Boa Concept, c'est d'être en capacité de venir s'adapter à un moment client sur le système d'information, sur la manière de s'interfacer, sur la capacité à créer des écrans spécifiques, adaptés à des process. Et ça a été un vrai challenge sur le projet qui nous a animés. Pour reprendre un petit peu ce que dit Patrice, nous, notre choix dans la solution technique, elle a été avant tout démarrer très tôt pour trouver le bon partenaire, trouver un partenaire local. On apprécie avoir une certaine proximité de manière à développer et être suivi dans toute la mise en place du projet, mais aussi l'étude qui a été démarrée relativement tôt dans ce projet-là. On avait bien sûr des contraintes, hein, des contraintes de marché, un marché qui évolue, un marché multicanal. On est aujourd'hui en capacité à expédier une triplette à un particulier dans une boîte cadeau atypique, donc des colisages sur lesquels il faut prendre beaucoup d'attention, des cartons avec plusieurs dizaines de triplettes, mais aussi des palettes avec plusieurs centaines parfois de triplettes pour des gros revendeurs, mais aussi des containers qui vont partir, des petits containers bois qui vont partir à l'export. Donc, il a fallu s'adapter par rapport à la demande, suite à l'évolution et à la demande de notre marché. Ensuite, les produits sont relativement lourds, hein. On parle aujourd'hui d'environ 6 tonnes de produits expédiés par jour. Alors, 6 tonnes expédiées par jour, si on travaillait tous les jours à ce rythme-là, ce serait bien, mais on subit aussi beaucoup la saisonnalité. Donc, il faut s'adapter à l'humain. Et l'humain, chez nous, toute la pénibilité qu'on a pu enlever grâce à cette solution technique, grâce à ce projet, eh bien, on a pu apporter de la personnalisation de produits, développer aussi la réalisation de colis atypiques sur des petits conditionnements, des plus gros conditionnements, et les métiers ont évolué. Donc, tous ces facteurs nous ont amenés à réfléchir sur le plan humain, sur le plan produit, sur le plan marché.
Et puis, on a subi cette année, une année très atypique avec un confinement, une sortie de confinement qui a été très, très importante pour nous. Depuis le premier confinement, on a expédié 100 000 colis et il a fallu tester la machine et tester nos équipes dans le feu de l'action, avec des journées très très denses, des journées beaucoup plus calmes où il a fallu se former, s'exercer, voir un petit peu comment fonctionnait l'ensemble du système. Voilà un petit peu toutes les contraintes, mais tout ça on a pu le solutionner ensemble et avec toute l'équipe qui s'est intégrée dans ce projet. Et simplement pour terminer, c'est le premier dossier chez Boa Concept où mes collaborateurs pouvaient partir en disant je peux pas, j'ai pétanque. Nous, c'est 2000 tonnes d'acier par an, 2 millions de boules fabriquées, environ 600 000 triplettes expédiées. En moyenne, une triplette, c'est 2,1 kg. Donc, aujourd'hui, on est depuis la fin du premier confinement à 100 000 colis. Les volumes traités sont énormes et le gain en pénibilité est bien plus important même que le volume traité pour nos collaboratrices et nos collaborateurs. On est aujourd'hui 80, mais on se doit de traiter le volume le plus important qui soit. De l'adaptation, il en a fallu. Et je suis aujourd'hui stupéfait par la remarquable adhésion de toute l'équipe au but avec ce nouvel outil après seulement quelques mois de mise en service. La continuité de l'activité de préparation de commandes durant ce projet a été l'affaire de tous, même si nous avons traversé des périodes délicates aux côtés des monteurs. Nous sommes toujours parvenus à honorer les commandes de l'entreprise. Les préparateurs travaillaient par secteur, B2B ou B2C, et aujourd'hui, ils préparent ensemble les commandes de l'entreprise. Les préparateurs sont également devenus des opérateurs de personnalisation et cette diversité d'activités a globalement été bien appréciée. Un préparateur me confiait, pas plus tard que la semaine dernière, en plein rush de Noël, que nous étions passés du camping à l'hôtel 4 étoiles avec notre solution logistique. Demain, c'est toujours intéressant. On vit dans un monde où de toute façon, on n'arrive plus à se projeter sur les volumes. Donc, le projet, dès le départ, a été conçu pour être évolutif. Évolutif dans le nombre d'allées du transtocker, évolutif dans sa capacité à prendre en charge de futurs volumes, évolutif dans l'imagination de notre client qui, demain, continuera sa logique de personnalisation et digitalisation. Donc, le projet est pensé pour être évolutif à court, à moyen et à long terme.